Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous présenter le 328 Graphite Ultimate 2023 de chez Challenger. Donc nous sommes sur le porteur Ford Transit 170 chevaux, boîte automatique. Ici, nous avons la Technic Box avec à portée de main tous les fusibles disjoncteurs de 120 et ici le remplissage d'eau propre tout simplement avec les purges de chaque côté ici, vraiment super pratique. Branchage en 220 pour recharger les batteries, la petite douchette extérieure très pratique. Ici nous avons encore le coffre à gaz pour une bouteille de gaz de 13 kg en propane. Ouverture sur l'arrière du véhicule avec le lit qui est réglable en hauteur. C'est ce qu'on appelle la géométrie variable. Par rapport à l'encombrant qu'on peut mettre, des vélos et tout ce qu'on veut dedans, le lit il est réglable en hauteur. Avec une très belle soute. Alors bien sûr tout l'éclairage à LED comme dans la soute, avec la soute qui est chauffée aussi, très important, donc qui est équipée aussi d'un store, d'un panneau solaire et d'une caméra de recul. Ça d'origine et les jantes en alu noir spécialement Ford. Je vous en prie, bienvenue au château. Là on est sur une configuration banquette face-face. Donc déjà on a un très 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 beau salon avec les deux sièges qui se tournent. Comme je vous disais tout à l'heure, on a tout l'éclairage à LED à l'intérieur avec des éclairages indirects aussi au sol. Ici nous avons le tableau de contrôle pour tous les appareils à l'intérieur pour faire le niveau d'eau, le niveau d'électricité aussi. Donc là on est vraiment au top pour tout faire fonctionner les appareils intérieurs. Donc ici on est sur un 4 places couchage, 4 places carte grise avec un lit de pavillon électrique de 140 par 190 avec sommier à latte et filet de protection anti-chute de chaque côté. Hop, elle est pas belle la vie. Et la petite lumière qui s'allume automatiquement du coup. Et qui s'éteint automatiquement quand on va mettre le lit complètement en haut. Et ouais. Et hop. Une belle cuisine avec plaque de cuisson de feu, avec allumage électronique, piezo. Tous les tiroirs sont avec un frein. Même mieux que chez moi, hein. Plus moderne. Grand frigo. Emplacement pour la télé qui va se voir du salon comme de la chambre. Tout simplement. Et après, nous allons passer dans le compartiment chambre. Et avant, ici, vous avez la salle de bain et la douche. Là, vous allez comprendre, vous avez un double cloisonnement, ce qui est vraiment super pratique. Tac. Pour fermer de ce côté-là et de l'autre côté, ce qui permet... Quand vous avez des enfants ou petits-enfants qui sont avec vous, ils pourront accéder aux toilettes en toute tranquillité et en toute intimité. Vous voyez, hop. Avec une belle douche, une très belle douche d'ailleurs, avec son calibotis au sol. Et son très joli WC. Avec du rangement de partout. Et là, on a le lit à l'arrière de 160 de large par 2 mètres de longueur avec penderie. De chaque côté? Non. Après, vous avez... De l'autre côté, ce n'est pas une penderie, mais on peut la transformer si on le souhaite après, si on le... Là, ouais, tout simplement. Avec ces étagères. Mais on peut les supprimer si on le veut. Et là, ici, sommier à latte, bien sûr.
Alors j'ai testé pour vous, hein, on y dort très très bien. Je ne devrais pas le dire d'ailleurs, mais bon. Et là, on a le mécanisme du lit qui est réglable en hauteur avec sa manivelle. On la règle manuellement une seule fois par rapport à l'encombrement, comme je vous disais. Là, nous avons aussi à tous les ouvrants store moustiquaire. Super. Baie double vitrage 6, donc des baies de très bonne qualité. Tout simplement. La porte moustiquaire aussi. Avec la fermeture centralisée. Génial, tu nous parles un peu du tableau de commande. Tableau de bord. Donc vous avez tableau de bord. Vous avez la boîte auto 7 rapports sur Ford avec toutes les commandes au volant. Vous avez la caméra de recul qui est incorporée dans l'écran du milieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, 170 chevaux, les rétroviseurs aussi électriques, dégivrants. Et vous avez aussi dans les portes, vous avez les stores occultants pour les deux vitres et le pare-brise. C'est des stores Remis. C'est des stores Remis. Génial. Voilà la bête. Je vois qu'il y a aussi une petite extension de. Voilà, exactement. Hop. Tac. C'est immense. Très chouette. Alors Maurice, du coup, le prix de base du véhicule, c'est quoi? Pas cher. C'est pas cher. Non. Alors, le prix du véhicule, on est à 75 740 avec tout son équipement, c'est-à-dire le panneau solaire, le store extérieur et la caméra de recul incorporée. Les jantes alus aussi noires. Super, et du coup, on te retrouve où, Maurice? À TPL Nîmes, ce sera avec un très très grand plaisir. Et bien, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.